Mon meilleur souvenir? Je ne sais pas. Je n'ai jamais réfléchi à la question. Je n'ai jamais su si c'était la joie d'avoir vu quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps, la joie d'avoir vu mon fils pour la première fois, la joie d'avoir vu... la joie d'un soir d'avoir pourri une bonne cuite avec des copains, j'en sais rien. Il faut que j'y réfléchisse. Je sais pas si c'est la joie d'avoir fait une bonne chanson non plus. Je sais pas, je n'ai vraiment jamais réfléchi à ça, toi. Je ne sais vraiment pas quelle est ma plus grande joie de ma vie, ni ma plus grande déception. Non, moi je vis aujourd'hui. Je ne vis pas demain. Demain, je peux mourir. Moi, je peux pas être là. Je peux pas y penser. Et puis, en 5 minutes, quelqu'un écrit quelque chose, dit, détruit tout. Je trouve ça très injuste. Johnny Hallyday, c'est un retour en force sur la scène du Palais des Sports. Pourquoi le Palais des Sports plutôt qu'un music hall parisien? Faut un micro ici. Dites-moi, Johnny, comment évoluez-vous? Comment mûrissez-vous? Il faut qu'ils viennent aux gens. Bah, c'est-à-dire qu'il doit aussi trouver que pas mal de gens sont casse-pieds du fait même que quand on lui demande quelque chose, il a plutôt envie qu'on lui demande rien. On va dire, c'est normal. Je veux dire, tout le monde est comme ça, d'ailleurs. C'est un moteur pour vous, l'argent? Mais il fallait vivre, on n'avait pas d'argent du tout. On n'avait pas d'argent, faut pas croire. Même Johnny n'avait pas d'argent? Mais non, Johnny n'avait pas d'argent. Il a démarré vraiment sans argent. Il chantait des fois pour peut-être 20 ou 30 ou 30 francs à l'époque. Peut-être qu'il chantait même pour rien. Il chantait pour se faire les dents. Bien sûr qu'il est solitaire. Mais comment ne pas l'être? D'abord parce que je crois qu'il faut qu'il le soit. Et qu'il se force de temps en temps à l'être. Et comme tous les artistes, ils ont une nature égocentrique, égoïste, mégalomaniaque, schizophrénique, enfin, pas normal. Mais ce qui serait anormal, c'est que Hallyday soit normal. S'il vous plaît, je reviens au spectacle. L'idée de prendre Paul Naref est une idée à vous? J'aime beaucoup Johnny, je le connais pas. Et la violence? Le trac pour vous, c'est le sommeil. Je peux vous demander ce que vous pensez de mai 68, ou ça vous embête? Vous me paraissez plus mûr, plus calme. L'autoroute du Sud enneigée l'année dernière, et tout ce bordel que ça a été, ça vous a intéressé deux secondes ou pas? Vous sentez gai ou triste? Et quand vous levez, vous êtes quoi? Vous levez du pied gauche? Vous lisez quelquefois? Parce que c'est ça l'idole. Hey Lee, what's the name of the girl? The new one. Because I want to announce the name. Her name? Oui, ça y est, merci. Il faut y aller, alors j'y vais. Il faut y aller. Les gens sont épaules depuis longtemps, c'est pas bien. On
On peut dégager les coulisses, s'il vous plaît. Tous les gens qui n'ont rien à faire. Je vois plus, Sacha, je vois plus personne. Tous les gens qui n'ont plus rien à faire en coulisses, s'il vous plaît. Tout le monde. Elle en a même. Il fait chaud. Inutile de vous dire que nous sommes tous très contents d'être avec vous. De mon train, un soir j'ai vu une fille qui avait des cheveux si clairs que j'ai cru un instant rêver. Nous étions à la fin du jour et j'avais longtemps voyagé. J'avais le cendre dans la bouche et je me sentais fatigué. C'était une fille aux éclairs, je veux conserver son image. Je voudrais repousser l'hiver, mais le temps tuera son visage. Je voudrais repousser l'hiver, mais le temps tuera ton visage. Je voudrais repousser l'hiver, mais le temps tuera son visage. Moi je l'ai vu. Il est arrivé avec une grande guitare. On l'appelait le King. Le King of Rock and Roll. Il était peigné comme ça. Thank you.
won't you come along with me? Jenny, 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 won't you come along with me? You know that I love you, you're just rock and roll. Jenny, 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 you know that you're my girl. Jenny, 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 you know that you're my girl. You know that I love you, I'll buy you diamond rings and pearls. Vous savez que ce soir je vous dis adieu. Je voulais vous dire que c'est la troisième fois que nous avons fait le Palais des Sports. Ça fait troisième fois que vous êtes à la hauteur. Et ça fait la troisième fois que je suis content de vous. François aussi. Il y a une chose que je veux que vous sachiez. Il y a des gens qui n'aiment pas ce genre de musique. Il y a des gens qui disent que de faire ça, c'est obscène. Il y a des gens qui disent que ça fait beaucoup de prix pour rien. Mais il y a nous. Nous sommes là. Et vous êtes là. Et si moi aujourd'hui je suis sur cette scène, et si je m'appelle Johnny Hallyday, c'est grâce à vous et à cause de vous. Deux Anglaises. En groupe vocal, Madeleine Bell, Bonita Franklin. Nanette Workman. Et Doris Trump. L'orchestre. À la guitare soliste, Rolling. En guitare rythmique et soliste, Jerry. À la basse, Pat. Alors que Barney. Au cuivre, Guy, Jacques, Pierre. Et René, notre saxophoniste. L'orchestre est dirigé à la batterie par mon ami et chef d'orchestre, Tommy Brown. Il est venu avec moi, avec eux, avec elle ici, avec François, avec tout le monde, pour vous. Dans le métier, on dit un terme. On dit pour prendre son pied, et je crois que certains soirs on l'a pris pas mal. Merci d'être venu à Michel Pornaret.
Ce sont les parents de Lee. Donc comme Lee m'a élevé, je les considère comme des gens de ma famille. Et au point de vue affectif, qu'est-ce qu'ils représentent pour toi, affection? Ils représentent, si tu veux, ma deuxième famille en Amérique. Je sais qu'en Amérique, j'ai une famille. Et comme j'ai pas vraiment de famille, tu vois, à part Sylvie, c'est comme si c'était ma famille, quoi. C'est formidable de savoir qu'on a une famille en Amérique. On peut aller dans n'importe quel état d'Amérique, je peux téléphoner et j'ai de la famille. C'est ça, l'Amérique. Ceux qui sont un peu l'art du bas. Je crois qu'on les voit déguster, ils se sont mis aussi. Qui l'art du bas? Mais c'est pas la bonne matière. C'est la bonne matière, mais. Ah bon? De quelle longueur tu m'as pris? Bah, là, c'est la plus courte qu'il y avait. Ah bon? Bah, c'est trop court. Ça se met pas là. Ça se met là. Et ça rétrécit? Non, ça rétrécit pas, ça là. Ah bon? Ah, c'est des lits, c'est pas des lits. Oui, des lits. Alors, les lits sont pas trop étroits du bas. Cadeau? Pour qui les autres? Non, c'est pas pour moi, hein? Ça, c'est tout en double pour toi. Ça, c'est pour toi. Oh, qu'est-ce que c'est? La porte est clé. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Ouais, qu'est-ce qu'il est beau, dis donc. Mais comment on met les. Ah oui, on dévisse. Regarde. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Quelle ceinture? Bah, c'est n'importe une ceinture comme ça, toi, qui est. Tu vois? Il n'y en avait pas, c'est pour ça que j'ai pas pris de. Maman, je pourrais en prendre une et puis la couper. Ça va? Merci. Merci. L'Amérique, ça a un énorme moment d'importance parce que c'est le pays de la musique que je fais. Je me sens américain. Quand j'étais gosse, je me faisais un. L'Amérique, pour moi, j'avais vécu là-bas, j'avais été né dans un ranch. Et quand j'ai été la première fois en Amérique, j'étais très déçu parce que c'était pas du tout comme je pensais que c'était. L'Amérique est une blonde qui boit du Coca-Cola, qui chante du folk song et qui fait du cinéma. L'Amérique devient noire quand le blues et le gospel viennent pour chanter l'espoir aux petits chants de Harlem. Hello US, hello US, USA. C'est la musique, c'est les rodéos, c'est le cinéma, c'est le mythe des stars, c'est plein de choses qui n'existent plus d'ailleurs. On la dirait vraiment faite pour moi. Et les coiffeurs vont rouler avec ça. Et la chose que je pense, c'est plus qu'à l'essence. J'aperçois subitement l'envie de me la payer. Ah mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette voiture là, mon vieux, elle est terrible. Ça sert à se déplacer. Une moto, c'est pas pareil. Une moto, c'est plus pour un plaisir. Moi, quand je prends la moto, j'ai l'impression d'être en vacances. C'est une sensation de pureté. Thank you.
possible. Me demande rien, tu ne comprendrais pas. En découvrant l'amour, je frôle la détresse. En croyant tout bonheur, la peur entre en mes joies. Retiens. Moi, j'aime les filles, comme on dit, les teenagers en Amérique. Mais je trouve que c'était mieux avant, de toute façon. J'aime les schoolgirls en Amérique, à l'époque où elles avaient les queues de cheval. Mais elles sont pas mal, quand même. Hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you. Et là, je vais enregistrer mon disque en anglais. Pas le premier, pas le deuxième. Sur moto, c'est un peu comme quand je suis sur une scène. On voit les choses d'une autre façon. L'Amérique est une fille faite de néon et d'or. Certains reviennent en guenilles, c'est l'envers du décor. C'est l'Amérique. Hello US. Hello US. USA. Hello US. Il n'y a qu'en Amérique qu'on peut voir quelqu'un fumer des gauloises. Et ça ne surprend personne. Hello. Bientôt. Qu'est-ce que tu fais? Es-tu gentil à l'école? Oh, t'es mignon. Est-ce que Carlos t'a donné les cadeaux? Ils te plaisent? Et tu le fais marcher dans ton bain, le dinosaure, là? Je te passe papa. Allô? Ça va, fiston? S'il existe encore aujourd'hui, il doit vivre aux États-Unis. Il doit jouer de la guitare et coucher sur les bancs des cars. Il doit fumer de la marijuana avec un regard bleu qui plane. Jésus, Jésus qui Jésus qui est Haïti. Allô?
di-di-di-da. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. No? I want you. Paris, New York, quelle importance ça pour vous, l'Amérique? Johnny est français et purement français, même s'il y a une question de rythme ou de show qui n'existe pas en France et que personne d'autre ne fait en France. Il ne cherche pas un faux Elvis Presley ou un Messi faussement américain. Johnny est français et Johnny est revendiqué par les Français. Vous êtes Johnny Hallyday? Johnny Hallyday? Eh ben, vous pouvez nous donner une photo, s'il vous plaît? On peut avoir une photo? Je l'ai reconnu tout de suite. Tu sais comment il s'appelle, monsieur? Comment il s'appelle? Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Je m'en vais prendre le train. Et le déjeuner ça n'existe pas, on mange ensemble dans son bureau et le soir on fait des délires d'affaires. Je veux bien les petits bibis parisiens, petits bistrots. Je sais pas, j'aime la chaleur chaude des choses, là-bas tout est froid. Les jeunes ils sont moins beaux en Amérique qu'avant. Les mômes en France sont beaucoup plus beaux que la jeunesse américaine, physiquement et moralement, je pense aussi. C'est là parce que j'attends le...
On y va? Je protège, tu crois? Attention à la cigarette. Tu peux faire le ciné, toi, tu dois autrement. Have you seen Sylvie? Sylvie! La route aura raison de mon âme et de moi-même. C'est l'amour. Moi, je suis un passionné. C'est tout ou rien. Ou j'aime et j'adore, ou je n'aime pas. C'est Petite fille, je t'avais bien prévenu. Aujourd'hui, ton amour qu'est-il devenu? Si moi on me dit que je suis intéressé, ça m'amuse un peu parce que quand même ça fait maintenant 11 ans que je chante et j'ai des dettes, c'est-à-dire que je n'ai pas d'argent devant moi. Je dois un certain nombre d'argent aux impôts. Donc c'est obligatoirement pas pour l'argent, mais évidemment je suis obligé de travailler tout le temps parce que comme je dois de l'argent, je suis obligé de travailler pour payer ce que je dois, puisque ce que je travaille, je redois encore. Mais c'est un métier que je fais. Je serais incapable de toute façon, même pour l'argent, de le faire si je ne l'aimais pas. Comme des revenants de guerre, comme des revenants de loin, qui ont offert leur vie à qui on ne rend rien. Ils crient pour avoir l'air. J'ai fait l'amour, moi, monsieur. Ouais, comme s'ils en étaient fiers, comme s'ils étaient heureux. Ce quel amour, ce quel amour a blessé. Pourquoi dormez-vous ici? Parce que je ne peux pas dormir, puis en tournée, après un spectacle, on est énervé, on va dîner, après le dîner, on n'a pas sommeil, on joue aux cartes, on fait n'importe quoi, on se fait une soupe au tabasco. Qu'est-ce que c'est la soupe au tabasco? Oh ben c'est du tabasco avec de la soupe. C'est une sauce mexicaine assez pimentée, que moi j'aime bien. Ça m'endort, ça me met en forme, ça dépend. Ben, je dors mal puisque je dors le jour. En tout cas, après 6 heures du matin, ce qui veut dire quand le jour est levé. Puisque la nuit, c'est en fin de compte ma maison, puisque je vis avec la nuit. Moi, je finis par maintenant, quand j'arrive à un spectacle, les flashs, je les vois plus, les gens, je les vois plus. C'est comme un murmure, c'est comme... Tu sais, des fois, j'ai vu des rushs du film que tu es en train de faire. Tu vois plein de monde autour de nous, on parle, puis le son s'en va, et puis c'est de la musique qui apparaît à la place du son, et tu nous vois bouger pareil, continuer à discuter avec des tas de gens qui s'agissent autour, mais on n'entend plus du tout aucun bruit. Et moi, des fois, c'est comme ça. Vous amuser. Non. Et non.
bonne santé. Après 99 ans, je ne veux pas vous entendre chanter. Na 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 na. Je suis enroué, je suis fatigué, je m'épuise, mais je n'ai rien dans ce monde. Hein. Je n'ai rien. Ah, il est là. Ah, il fume. Il fume. Ah, il fume. Non, c'est pas des Gauloises qui fument. Ah oui, on le voit. Il fume. Il est assis comme les Indiens. Ah, vous voyez qu'on le voit bien maintenant. Ouais, ben il regarde ses doigts là, qu'il discute. On voit bien ses jambes là, là. Et puis, il a mis une tête blanche sur les jambes. Il a fait fumer. Non, il part à plus. Non, il part à la plage. On a vu ses jambes. Qu'est-ce que vous préférez de lui? Oh, rien du tout. Vous l'aimez pas? Oh, si, je l'aime bien, mais... Si, non, enfin, on l'aime bien tout entier, hein. Qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse une jambe? Moi, une chose qui m'a... pas dire déçu, mais un peu surpris, j'ai l'impression quand le tour de chant est terminé, tu as quand même entièrement oublié tous ces gens. Parce que moi, quand je suis sur scène, à un certain moment donné du spectacle, je ne vois plus rien, j'entends rien. Moi, je vois très difficilement... Parce que combien j'ai pu voir de public dans ma carrière, ça fait 11 ans que je chante maintenant. Et j'ai peut-être vu 30 millions de spectateurs. Je veux dire, on ne peut pas se rappeler de 30 millions de personnes. Oh,
montres font la guerre. Quand chez moi le soldat qui meurt et qui qui n'est pas mangé ici. Ah oui, ça ne fait rien, il vous aime. Vous descendez dans la cuisine. Et pourquoi il vient pas plutôt boire un verre avec nous? Parce qu'il est sale et la vie en cuisine. Oh, mais moi aussi on est sale. Alors, vous voulez qu'il mange? Et puis, il vient boire un verre. D'accord. Et là, François, comment ça s'est créé de Johnny Hallyday? Oh, comment elles font pour s'introduire dans les autres places? Tu sais, je crois qu'elles elles savent toujours où ils se trouvent, elles arrivent toujours à avoir des renseignements, on sait jamais comment, mais elles sont toujours là. Et ce qui est marrant, c'est que c'est toujours les mêmes têtes. Que ce soit dans n'importe quelle ville, elles ont toutes le même physique, la même mentalité. Qu'on aime une vedette, ça se comprend, mais qu'on devienne complètement dingue comme elles deviennent barges. Il y en a qui arrivent à se déshabiller sans savoir pourquoi. Une folle, un jour, elle s'est complètement déshabillée, elle m'a sauté dessus, elle m'a arraché la chemise. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Je veux voir Johnny, c'est mon idole. Et je lui dis, tu peux rester habillé pour voir ton idole. T'as le soutien-gorge en lambeaux et tout. Et vraiment, des folles. À toi plus vite, Charlie, et tu gagneras. Ne te retourne pas. À toi plus vite, Charlie, et tu gagneras. La fille sera pour toi. Alors là, comme je sais de quoi il s'agira, je dis « Je dors !» Alors après, j'entends « Pssut, pssut, pssut » derrière la porte. Puis après, j'entends une clé, ça s'ouvre. Et puis alors, elle vend jusqu'à mon lit, et puis alors, elle me secoue, alors comme fortement, en disant « Un autographe, s'il vous plaît !» Alors là, je dis « Oh là là, foutez-moi la paix à cette heure-ci, vous n'avez pas honte, on réveille les gens, et midi, mais enfin... » On me recherche en Touraine, on me recherche en Provence, on me cherche en Aquitaine et dans toute l'île de France. Ah.
Oui, jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Hein. Tout ça se déroule comme prévu, quoi. Hein. Jusqu'ici, je dis bien jusqu'ici. Hein. Qu'on parle autrement et que malheureusement, il arrive à pépin. Hein. Enfin, nous ici, jusqu'ici, il n'y a jamais eu de problème. Et Johnny, qu'est-ce que ça représente pour vous? Parce que ça, c'est le film français, ça, c'est Johnny. Hein. Ah, Johnny, pour nous, bah écoutez, Johnny. Nous espérons que ça va fonctionner comme il faut. Nous espérons qu'il ait beaucoup de succès, et puis c'est tout, parce qu'il mérite, ouais. Et puis c'est tout. Nous, c'est la première fois qu'on le voit. En tant que sapeur-pompier, vous savez que nous sommes d'abord, il faut voir le caractère jeune, ouais. Puis ensuite, on admire ceux qui réussissent dans la vie, si vous voulez. Il a réussi tout seul, hein, même avec ses chansons que beaucoup de monde n'aimait pas. Bah, c'est que vous voulez vous en dire plus. On ne peut pas vous en dire plus. Il est responsable de quoi pendant qu'il chante? Nous voulons le protéger, c'est tout. En voulant pas qu'il arrive un pépin ici, comme est arrivé dans certains coins où il a été. Il y a toujours intervention, des gens qui s'évanouissent ou quelque chose comme ça. Nous avons les secouristes. Nous restons là en attente, hein, on ne provoquera pas. Alors nous sommes là, nous interviendrons si c'est nécessaire, si c'est pas nécessaire. On laissera les fonds s'extérioriser, puis c'est tout. Hein. Johnny est beau! Jusqu'à la fin, je crois. Il est toujours dans les parades, il est toujours à la mode, il ne dégénère pas. Toujours le même. Je veux dire, d'être chanteur, c'est rien, il ne faut pas se prendre au sérieux. On fait un métier pour distraire les gens, enfin, quand on est en quelque sorte. Il y a un autre mot, bouffon, quelqu'un qui distrait. Je veux dire, on est là pour faire oublier les problèmes aux gens. Si c'est pour les emmerder pendant 2 heures, je vois pas l'intérêt. Je veux dire, on est là pour faire oublier. Moi, mon but, c'est de faire oublier les gens pendant 1 heure, 1 heure et demie que je vais sur scène, faire oublier pendant 1 heure et demie aux gens qui ont des problèmes et qui ont des trucs. Et qui est passé. Pour moi, c'est qu'ils aient passé une bonne soirée et ma soirée à moi sera réussie. Oui. Bien, comme vous avez pu le comprendre, voici, dans quelques instants, Johnny Hallyday. Aucun visage qui ne t'a accroché, tu n'as jamais aperçu une fille qui te plaisait.
Un garçon qui est dans une émotion, qui a dit genre, on va lui raconter quelque chose, c'est absolument artificiel, ou s'il y a quelque chose de vrai, quand tu tends la main. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Quand je tends la main, c'est très important, parce que c'est en fin de compte le seul contact de chair à chair, je veux dire, que j'ai avec eux. Parce qu'en fin de compte, quand on est sur scène, on, je veux dire, on n'a qu'un contact visuel ou un contact sonore. Et c'est très important parce que j'ai l'impression de... On ne peut pas le faire à tout le monde, mais d'en rendre en tout cas 10 d'heureux. Comme quand on sent la guerre, quand chez moi le soldat qui ne l'est qu'un fait. Je t'aime, et je t'aime. Il m'élargit pas, moi, lui. Pug. Non. Trop jeune. Ça dépend de quoi. T'as adorable, tu sais. Hein? T'es vraiment bien sur scène. On n'a pas de porteur. Hein. Comment, où est le chapuis? Le chapuis, mais je vous dis que ça se trouve à... Est-ce qu'il y a des boîtes de nuit au chapuis? Non, 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 je cherche celle qui serait mienne, mais comment faire pour la trouver? Le temps s'en va, le temps m'entraîne, je ne fais que passer, et dans la nuit je file, tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. J'ai bien la fortune et plus, et mon nom partout dans les rues. Pourtant, je cherche tout simplement l'amour. Une vedette, c'est quelqu'un qu'on attend, pas pour les chansons qu'il va chanter, mais parce qu'on se dit, voilà, c'est lui, et je veux le voir physiquement, je veux le voir en vrai, je veux le voir devant moi. Tu m'as battu. Soyez jaune, essayez. Que vous soyez noir, essayez. Faut essayer, essayez.
Sur leur échiquier, je glisse comme un pion. Alors que je croyais en être le roi. Des flashs, des photographies, il y a tout. On est surpris, des fois on est choqué, des fois on est. Des fois on est content parce que c'est flatteur quand même, des fois on est. Enfin tout, je veux dire. Quelquefois j'ai envie de crier à la nuit, emmène-moi. Êtes-vous plus fatigué quand vous entrez en scène ou quand vous sortez? Quand je rentre. Pourquoi la fatigue s'en va ou... Non, parce qu'on l'a fait à peu près, je sais pas, ça dépend des jours, mais entre 300 et 400 ou 500 kilomètres. Alors on arrive et puis en plus je suis un peu abruti par la route et en plus comme je suis un peu j'ai un peu le trac avant d'aller sur scène, ça me donne envie de dormir. Et moi j'ai envie d'aller dans mon lit et j'aurai n'importe quoi pour aller me coucher. Il y a une chose extraordinaire, quelqu'un de suite depuis toujours. À peine un fan. D'autre côté, une jeune femme, jeune fille de 12 ou 13 ou 14 ans, le suivait depuis 5 ans. Chacun de notre côté, ils sont rencontrés, ils sont mariés, et ils les suivent tous les deux, et il y a un gosse qui est né, ils le suivent tous les trois. Enfin, ils me suivent, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils ont fait toute la tournée d'été. Alors ils viennent en mobylette, ou ils viennent, ils font du stop, enfin ils viennent, et ils sont là, même des fois quand on a des étapes de 800 km. Je suis né dans la rue, je suis né dans la rue. Se précipite sur moi, ça me prouve quand même qu'elle m'aime bien toujours. Il faut quand même avouer que mon tour de chant, tout ce qui se passe dans ma vie est quand même assez sexuel. Pour les filles surtout. Il y a des fois où j'en ai vraiment ras-le-bol, je suis fatigué, j'en peux plus. Je suis, de faire une tournée de 2 mois de l'été, t'as vu les conditions que tu m'as suivi, c'est pas drôle tous les jours. Quoi. Il faut amener sa joie avec soi-même des fois. Non, mais 11h, je regrette infiniment, c'est pas 11h15, c'est 11h. C'est inadmissible. Monsieur Sergi, c'est un monsieur connu dans le métier. N'admet pas qu'on soit un quart d'heure en retard. C'est inimaginable. Mais quand même, écoutez, vous estimerez qu'il est normal pour un artiste qu'il soit à l'heure, tout même qu'il est fixé sur son contrat. Écoutez, c'est la moindre des choses quand même. Alors vous ne le concevez pas comme moi, non? Non, mais vous connaissez le métier, vous l'avez pratiqué, comme moi, autant que moi. Alors, tout de même, nous avions l'habitude d'être à l'heure. Quand le rideau doit se lever, on lève le rideau. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'excuse. Le retard fait partie du succès du numéro de notre artiste. Nous sommes d'accord à condition que la personne soit attendue, et c'est le cas de Johnny Hallyday.
connaissez quand même que c'est le plus beau gala de la saison. Je ne suis pas prêt. Je n'ai pas encore tout dit. Je suis innocent. Je suis innocent, je jure. Et toi, le curé, dis-leur que lui, là-haut, il ne veut pas. Dis-leur qu'il les regarde. J'ai peur. Je ne suis pas un héros. Je ne suis rien du tout. N'était pas ma vie. Sauvez-moi. Sauve-moi. Moi, je fume, je me bourre la gueule, je baise, je fais tout, et je suis en parfaite santé. Tu vois, comme ça, rien à dire. Maintenant, ce qu'il me faut vraiment, une fille. Il me faut une fille. Amenez-moi une fille. Oh. Ma dernière cigarette, mon dernier verre de rhum. J'ai droit à 2 minutes pour la prière des hommes. On n'a jamais rien. J'ai peur comme un enfant. Il n'y a pas de gonzesse et il n'y a pas de somnifère. C'est dramatique, ça. Maintenant. La justice des hommes s'est trompée. Il n'y a personne pour mon entendre prier. Sauvez-moi. La géographie, je ne l'ai pas apprise sur un livre. La géographie, je l'ai apprise en voyageant parce que mes parents ne se sont jamais occupés de moi. Et j'ai été élevé par des gens que je considère comme ma famille, qui ont été plus que ma famille, qui étaient artistes. C'est peut-être d'ailleurs grâce à eux que je suis artiste aujourd'hui. C'est important qu'aujourd'hui tu sois très gai. Vraiment, c'est la plupart des plans qu'on fait, il faut que tu ailles le sourire, que tu sois comme des clans. Hein, mais... Si tu vas devant moi, je suis gai. Je... Ah bon, d'accord. Ça, c'est parfait. Ben aujourd'hui, alors, demain on se passera parce que demain, au contraire, il faut que tu sois nerveux. Tu es tout triste comme ça, la tête, non. Prêt? Allez-y. Plus à côté, plus à côté, plus pété, voilà, plus concierge. Non, tu caches, Johnny, tu es caché. À l'oreille, à l'autre oreille, madame. Oui, oui, c'est ça, c'est bon là, comme ça, et le flash ne marche pas. Ouais, non. Elle est là. C'est vraiment inutile de travailler là. Hein. C'est pour moi, les principes, c'est quelque chose d'important. Hein. Prêt? Allez-y. Prêt, ne bouge plus, je vais. Allez-y, Denis, je vais. Prêt? Ne bouge plus, je vais. Prêt, je vais. Tout va bien mieux avec Long John. Ah, lui, c'est le protagoniste, c'est le pur, c'est le merveilleux, c'est le l'héros, c'est le sans tâche. C'est absolument l'âme candide blanche. Mais enfin, surtout lui, c'est Johnny, c'est tout. Hein. Johnny! Il est parti dans les motos, c'est fini maintenant. On me recherche en Bourgogne, on me recherche en Vendée, on me recherche en Gascogne, on me cherche en Lyonnais. Montrez les dents, coupez, c'est très beau pour moi. C'était bon pour toi, Gilbert, ok? Mieux que tout à l'heure? Ce qu'il faut bien que tu comprennes, Johnny, c'est que là, t'es dans une boîte, tu comprends, tu t'emmerdes et tout, etc. Puis il y a une fille qui est
une fille qui symbolise, si tu veux, Ultra Bright. Qu'est-ce que c'est qu'Ultra Bright? C'est le, les dents, c'est le sourire, c'est le, l'ascendant qu'une fille peut avoir sur les hommes. Ce qu'on vend, finalement... Wow. Oui, c'est un peu ça, si tu veux. Ce qu'on vend, c'est l'idée de la séduction par une fille grâce à ses dents. Comment? Et ses dents, c'est Ultra Bright. C'est le goût sauvage. Oh, non. C'est dégueulasse, cette fille. C'est une salope. Et finalement, elle est belle. Elle est belle comme c'est pas possible d'être belle. Petit à petit, tu te laisses séduire, Johnny. Elle est fantastique. Regarde, c'est Ultra Bright. C'est la fille Ultra Bright. Elle est fantastique. Elle est belle. Avec sa rose, Johnny, petit à petit, tu fonds. Petit à petit, elle est plus belle. Elle te plaît. T'es amoureux. T'es amoureux. T'es amoureux. Tu souris, Johnny. Ok, tu te détends. Tu te détends. Elle est belle. La rose. Allez, tac. Il faut que ça fume là, tout le monde une cigarette. Faut faire cette ambiance de boîte là et tout, que ça soit bien, bien, bien. Oui, avec cette insolence dans le regard et tout, ça c'est bon ça. Pas trop souriant, hein, tu vois, un petit peu, mais c'est vraiment tellement extraordinaire, tellement naturel pour toi, tu as l'habitude de le mépriser, mais il est beau quand même, remarque, putain. Voilà, tu me regardes comme ça. Elle a pas les yeux trop fermés, Pierre là. C'est Gilbert, tu vois, elle... voilà. Il a un goût très très fort. Et moi, je sais que la première fois que j'ai utilisé le matin, mais c'était... je me suis reculé en arrière, j'ai posé un cri parce qu'il est vraiment très fort. Il est sauvage. Voilà son. Et quel film, c'est ouh. Je sais pas qu'est-ce que c'est que ça va tout le temps dans tous les films, c'est quoi? Le ouh, c'est que c'est lorsque l'on utilise ce dentifrice, les gars qui se frottent les dents avec ça, tout à coup, il se recule, waouh, il pose un cri de ça. Waouh, le waouh, waouh. Mais enfin, là, c'est. Là, dans ces films-là, c'est pas ça. Là, c'est la blancheur qui donne la séduction. Et pour les jeunes, tu vois, pour les gens qui sont vraiment dans le coup, quoi. Écoute, Johnny, c'est sérieux, ça? Ouais, non, j'écoute, non. Toujours au-dessus. Pas de vos questions, hein. Quand ta rose est un peu trop dans le coin, là, je crois. Voilà. Ok. Formidable. Ouais, très bien. Ok, formidable. Ok, go! Aujourd'hui, je veux tout te dire, je ne peux plus vivre et mentir. J'ai vécu comme un animal, combien de fois t'ai je fait mal. J'ai voulu vivre à tout prix, je n'ai rien fait de ma vie. Mais pour la première fois, je chante comme si je devais mourir demain. J'ai peur de l'avenir parce que l'avenir pour moi est quelque chose qui n'existe pas. Et je crois que tant qu'on a des enfants, on ne peut pas mourir parce que tous les enfants qui viennent, de toute façon, même si vous n'êtes plus là un jour, vous font vivre. Aujourd'hui, oh, je n'en peux plus, je mets mon front sur ton sein nu. J'ai failli perdre cent fois, je sais que tu vaux mieux que moi. Était blanc.
qu'il y avait des fleurs jaunes dans le creux de chaque dune. J'aurais bien aimé toucher du sable une seule fois entre mes doigts. Qui a nagé dans cette rivière? Vous prétendez qu'elle était fraîche et descendait de la montagne. Est-ce qu'il y avait des galets dans le creux de chaque cascade? J'aurais bien aimé plonger mon corps une seule fois dans une rivière. Dites, ne me racontez pas d'histoire. Montrez-moi des photos pour voir si tout cela a vraiment existé. Vous m'affirmez qu'il y avait du sable et de l'herbe et des fleurs et de l'eau et des pierres et des arbres et des oiseaux. Alors, ne vous moquez pas de moi. Qui a marché dans ce chemin? Vous dites qu'il menait à une maison et qu'il y avait des enfants qui jouaient autour. Vous êtes sûr que la photo n'est pas truquée? Vous pouvez m'assurer que cela a vraiment existé? Dites-moi, alors ne me racontez plus d'histoire. J'ai besoin de toucher et de voir pour y croire. Vraiment, c'est vrai? Le sable était blanc? Vraiment, c'est vrai? Il y avait des enfants, des rivières, des chemins, des cailloux, des maisons? C'est vrai? Ça a vraiment existé? Ça a vraiment existé? Vraiment?